Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que vous avez la patate pour cette journée. Ici ça va un petit peu mieux, j'avoue que la douche nasale là c'est vraiment très efficace. Par contre, les antibiotiques ça m'a éclaté le ventre, donc je pense que je vais essayer de faire sans. Hier ça m'a vraiment trop détraqué, donc ça va être cure de probiotiques et on va essayer de faire juste les douches nasales. Même si j'ai une paire de couilles qui me poussent dans la gorge là. Je sais pas ce que je préfère, avoir mal au ventre ou avoir une paire de bouliches dans le cou. Bonne question. Bonne question. Sinon, depuis lundi, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je le dépose à la crèche, ça va beaucoup mieux. Plus de pleurs, plus de... il s'accroche à moi comme une moule à son rocher en hurlant « Maman, maman, maman ». Donc je pense que c'était vraiment une phase et que comme beaucoup de personnes me l'ont dit en MP, le fait de l'avoir laissé plusieurs jours... Et puis, qu'après il soit revenu, bah, quand il est revenu, il m'a fait la misère, genre je te le fais payer. Mais derrière, il voulait pas que je reparte, enfin, il avait peur que je reparte. Donc c'est pour ça qu'il voulait plus aller à la crèche et qu'il me collait comme ça. Mais en tout cas, là, ça va beaucoup mieux, donc c'est cool. Voilà, si vous êtes dans cette phase-là, courage, ça passe. En tout cas, pour nous, c'est passé, donc je pense que pour vous, ça passera. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je viens de rentrer à la maison. Marcel est parti chercher le petit à la crèche pendant que je vais aller sortir le chien. Regardez-moi ces petites merveilles. Du coup, pour la recette, trop facile. J'ai juste coupé la patate douce en deux. Marcel, elle les a épluchées. Et un peu d'huile d'olive, sel, un peu d'ail, herbe de Provence et 40 minutes au four à 180. Et c'est tout fondant. Trop bon. Juste petit rappel, vous avez encore le code promo passage du désir qui est valable sur tout le site et même en boutique. Donc, la Saint-Valentin c'est bientôt. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le moment soit de faire votre liste de cadeaux, soit de vous faire vos propres cadeaux. Je dis ça, je dis rien. C'est que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien. Ça, c'est les moutons normaux qui m'ont donné mes moutons spéciaux, tu vois. Ça, c'est mes pandas. Regarde, ils ont copulé. Hop, les ptios. Ça, c'est des chèvres. Ah, des chèvres, j'en ai pour en revendre. Là aussi, c'est les chèvres. Là, c'est l'enclos des lapins. Là, c'est l'enclos des chevaux. Tu vois, j'ai déjà un niveau 3. Je sais pas où il est. Ah non, c'est des niveaux 2. Trompé d'un niveau. Tu vois, hop. Ils ont bien grandi. Hein. Et ça, c'est encore des lapins. Tu vois, il y a
il y a un lapin qui est un peu, noir. Et il m'a donné ce deux petits loups. Tu vois? Et après, ceux-là, je vais les dégager, je vais les vendre aux enchères. Mais pourquoi? C'est méchant. Bon, j'espère que vous allez bien. J'en ai profité là pour dormir un petit peu plus ce matin, vu que je travaille que cet après-midi, vu que j'ai le petit avec moi ce matin. Et j'ai déjà pas mal de petits commentaires tellement adorables sous ma vidéo. Le but, c'était pas vraiment d'avoir des commentaires de ouf envers moi, c'était plus de vous motiver, vous. Et je l'ai regardé au moins 20 fois, cette vidéo. J'arrive pas à me rendre compte que c'était moi avant. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que j'étais aussi mal physiquement et mentalement. Mais voilà, franchement, c'était plus pour vous partager ça, parce que quand je l'avais partagé en story, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui me disaient merci beaucoup, parce qu'en ce moment je traverse une mauvaise phase, ça me fait du bien, que je voulais que ce soit vraiment quelque chose qui reste dans mon fil d'actualité et qui vous motive.